Disons que votre meilleur ami vous prête sa voiture et que vous la garez dans un quartier craignos. Si on la vole, est-ce que vous êtes responsable? Dans la jurisprudence de cette semaine, c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais avec des entreprises. Et puis il n'est pas question d'une voiture, mais d'une cargaison de céréales. Mais bon, vous avez compris le principe. Je vais changer les noms pour que ce soit plus simple. Vous m'en voulez pas. On a donc Choco Cucu qui demande à Franck de livrer pour lui quelques boîtes de céréales. Bon, là aussi, quand je dis Franck, ça va être à la fois l'entreprise de livraison et le voiturier. Faisons simple. Franck, donc, travailleur consciencieux, eh bien, il va livrer. Mais, avant d'arriver à destination, Franck doit faire une pause. Il va donc garer son camion, et c'est là qu'il se fait voler les boîtes de céréales. On arrive donc à la principale et éternelle question posée dans un procès de droit commercial. Qui paye? Bah oui, est-ce que c'est Choco Cucu qui doit supporter la perte du vol en réexpédiant une nouvelle cargaison de céréales, ou est-ce que c'est plutôt Franck qui doit payer ce nouvel envoi? Bon, et éventuellement des dommages et intérêts. Vraiment? La question se pose? Non, parce que je croyais que article L133-1 du code de commerce oblige, Franck était responsable des Choco Cucu qu'il transportait, quoi qu'il arrive. En fait non, pas quand la perte est due au fait d'un tiers. Ah, donc que Franck ne paye pas. Sauf s'il y a une faute de la victime. Je suis perdu. La véritable question est, est-ce que Franck a commis une faute? Si oui, bah il paye. Sinon, il paye pas. Ou peu. Et pour dire que Franck a commis une faute, Choco Cucu se base sur un détail très important. Habituellement, quand il passe dans cette ville, il se gare au parking de la gendarmerie. Plutôt sûr, ça. Mais là, le parking était plein. Alors, bah, il allait se garer ailleurs. Oulala, c'est pas bien ça, hein. Et non, ce n'est pas bien, puisque ça veut dire qu'il savait que l'autre parking, celui où il s'est garé, du coup, était carrément malfamé. Et oui, puisque d'habitude, il ne s'y gare pas. Enfin, vous suivez, quoi. Non? C'est normal, hein, puisque ça, c'est le raisonnement un petit peu tiré par les cheveux de Choco Cucu, qui a quand même été reçu par les juridictions du fond. Et c'est peut-être ça qui fait le plus peur dans l'histoire. Fort heureusement, la Cour de cassation est venue rappeler... Apparemment, c'était nécessaire. Eh bien, qu'on ne peut pas déduire que s'il ne s'y garait pas, c'est qu'il avait conscience qu'en s'y garant, cela créerait un dommage. C'est complètement con. Si on veut qu'il y ait faute, il faut que le parking en question ait vraiment la réputation d'être malfamé. Et ensuite, il faut prouver que Franck était au courant de ça. La réputation. Non mais oh, on tire pas des conclusions comme ça, là, va vite quand même. Voilà, et fort heureusement, les juges du quai de l'horloge veillent sur nous. Petite annonce avant de terminer, déjà j'espère que les examens se sont bien passés pour ceux qui sont encore dans les études. Et du coup, j'espère que mes petites vidéos d'astuces vous ont été utiles. J'en continuerai quelques-unes à la rentrée, plus axées sur les cours à nouveau. Là, pour les deux prochaines semaines, pas de vidéo, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Bon, je vais quand même continuer de bosser sur quelques projets en préparation. Mais bon, pas de publication quoi. Je vous ferai une petite vidéo bilan annonce à la rentrée pour faire le point sur tout ça. Et voilà. Bisous. Allez, bisous.